que je nettoie mes bancs. Pour les voiliers, ça se termine contre les loups des collines alors que la partie débute. Ben, tous les gars, ils étaient plusieurs, c'est ça. Ah, ok. Ouais, ça a dissoigné. Oh oui. Vas-y, Sato. On repousse le disque. Alors que le numéro 4 s'amène en trombe. La pression qui se poursuit. Mais on se débarrasse du disque du côté des loups. Et le dégagement ne sera pas refusé. Ouais, vas-y, vas-y, Lee! Hein? Si, vol! On joue du coude! Ouais, va le chercher, va le chercher! Nice back check! Ouais, bring it in! Ah ouais, Sato, let's go! Ouais, press, press! Eddie, let's go, let's go! Qui sort. Oups! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Hop, hop, hop! Excellent! Belle passe, belle passe! Hey, let's go, Luke! Ah ouais! Le lancer! Qui surprend le gardien! Et Luca Kyrus qui marque le premier but des voiliers, c'est 1-0. Lucas. Il va d'un but qui donne l'avant au voilier.
un petit peu de confusion. Vas-y Loïc, let's go, let's go. Belle vitesse du côté des loups, alors qu'on tente de les garder à l'extérieur du côté des voiliers. C'est arrêté par Louis Simon. Il va simplement remettre pour lui-même le plus loin. La pression avant qui se poursuit, alors qu'on tente de conserver le contrôle du disque. Le numéro 1 qui s'amène devant, le lancer, c'est bloqué en défensive. Alors que Nathan remet dans le fond de la zone les loups. Et on conserve et on repousse à nouveau. Et on embouteille les loups dans leur zone. C'est une bonne manière de prévenir les buts du côté des voiliers, bien sûr. Eaton remet par la bande, tente de remettre. C'est un peu trop loin pour Sato qui s'étire de son long, mais il n'y parvient pas. Mathias gagne la bataille pour le disque. On rebouche chemin. On remet à Sato qui s'empresse d'utiliser la bande pour remettre plus loin. Et Leland qui va tenter de s'échapper, mais le disque lui échappe. Failli accrocher du côté des loups. L'arbitre figure. Ne bronche pas. Vas-y, Alex. Et on force le joueur offensif à rester à l'extérieur. C'est bien fait. Alors qu'on remet à Eddie qui tentait de revenir vers le centre. Mais on lui barre le chemin. Ah oui, Isaiah qui s'est présenté rapidement pour récupérer le disque. La bataille ferme dans le coin. On remet au défenseur. Tente de tirer en espérant qu'un coéquipier peut dévier le 10. C'est bloqué, ça revient à la défensive. On remet le mal but, c'est arrêté. Mm-hmm.
à des changements. ...7:35 à faire en première période. Qui est correct. Nice! Away, away, away! La pression qui se poursuit, elle dit contrôle le 10, tente de remettre devant. C'est arrêté par le gardien. Du côté des voiliers sur ce 2 contre 1. Alors que la rondelle semble avoir effleuré le gardien pour donner sur la barre transversale. Et ça aurait pu coûter un but. Vas-y, vas-y, Luke! Jets, Jets! Oh! Quel effort de Lucas! C'était pratiquement fin seul devant le gardien. Malheureusement, on perd le contrôle du disque à la dernière seconde. Lâche pas, Jack! Va le chercher! Qui s'amène devant, le lancer, c'est arrêté par le défenseur qui s'empêche de dégager le devant de son filet. Alors qu'on bloque le chemin à l'ailier gauche, ça menait bon train hors l'aile. Et Louis Simon, le lancer, c'est arrêté alors que Loïc s'est présenté devant le filet avec une belle chance de doubler l'avance des voiliers. Mais on devra attendre. Alors, jusqu'à maintenant, les voiliers qui offrent un très bon début de match alors qu'ils ont réussi à mettre de la pression sur les Loups de manière constante depuis le début du match. Et c'est ce qu'on veut voir. On se rappellera que les voiliers qui ont tendance
qui ont eu tendance au cours de la saison, des fois, à avoir des débuts de match un peu en dents de scie. Et donc, il faudra s'assurer que ça ne se reproduise pas durant les séries. Si on veut s'assurer d'une place à la Coupe Chevrolet, bien sûr. On est à l'arrière. Eaton qui tente de prendre un lancer. Il n'y parvient pas. Le disque était chancelant. Il était hors d'équilibre. Alors, ça revient à Nathan. Il remet, tente de remettre, c'est-à-dire à Sato, mais le dégagement sera refusé. Vas-y, Eddie. Oh, la passe, c'était malheureusement dévié, mais Luca qui réussit à remettre, à frapper le disque pour lui-même sur le sol, mais bon. La séquence ne va pas plus loin, alors que Théo Larivière bataille pour le contrôle du disque. Il est flanqué de Luca qui sort immédiatement, qui remet, qui repère Eddie qui était déjà en train de se diriger vers la zone des loups. Le jeu va avorter et on va reprendre. Bon, Jack. C'est bête vers le gardien qui ne bronche pas. Et Louis Simon qui tente de s'envoler. Pirouette acrobatique devant le filet. Alors que le commentateur y voit de bruit personnel discutable.
salue les trois personnes qui sont sur le live stream. Quatre. Un zéro après une période de jeu. Première période complètement dominée par les Wild Games, mais le pointage n'est que de 1-0 pour les voiliers. C'est remis devant le filet, mais on réussit à sortir la zone de la zone, le disque de la zone dangereuse, je dis bien. Voyons, de la misère à parler. Heureusement qu'il y a juste 4 téléspectateurs qui n'écoutent pas vraiment ce que je dis. Donc, zéro plainte au CRTC. C'est remis, lancé! C'est balayé par le gardien pour se retrouver dans le filet protecteur. En partie très silencieuse, on se rappellera qu'on avait des partisans des Loups dans les derniers matchs qui s'amusaient à crier aux Loups. À crier au loup. La pognez-vous? Mais cette époque est terminée. Oh oui, c'est bien bloqué par Sato qui reprend. Et Leland qui s'amène à toute vitesse. Conserve le disque, travaille le long de la bande. Remet de l'autre côté, mais il n'y avait pas preneur, mais... Oh! Oh boy, oh boy, boy, oh boy, boy. Le numéro 4 est accroché. Il tombe lourdement. Coup de bâton. Ou le bâton qui l'accroche à la visière. Et ça va coûter 2 minutes. 4 minutes pour coup à la tête. C'est ça qui a donné quoi à la taille? Ah, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est automatique 4 minutes? Ou c'est parce qu'il l'a intentionnel et il l'a jugé? Ouais. Ouais, ben c'est pour ça. En tout cas. Le power play qui tente de s'installer. On remet au numéro 2 qui remet à Benjamin. Il trouve Sato le long de la bande qui remet à Jacob, qui remet à Benjamin, qui retrouve devant le filet! Vas-y, Sato, vas-y, vas-y!
Sato qui bataille. Leland qui reprend le disque. Remet à Jacob qui remet à Ben. On lance. C'est bloqué. On tente de prendre le retour. Et on bataille ferme devant le filet. Et on va réussir. Jacob qui fait toutes sortes d'acrobaties, mais ça ne fonctionne pas. Une minute trente d'éculée à cette pénalité de 4 minutes. Il n'y a rien eu comme... Alors, qu'il y aura pénalité pour... Trop d'onde, ça? Il chante? Oui, ah, c'est ça. Pénalité pour anti-sportif ou pénalité de banc du côté des Loups, alors que on s'installe pour un 5 contre 3 pour plus de 2 minutes, pour 2 minutes, c'est-à-dire du côté des voiliers. Alors, il faudra s'assurer de compter un but. Et c'est 2-0, les voiliers. Hein? Ryan. Le 4 minutes n'était pas rendu à 2? Ah. Ben, parfait ça. Hey! Un autre 5 contre 3 pour une minute 30. On va le prendre. Oh, on accroche, mais bon, l'arbitre qui ferme les yeux. Alors qu'on tente de s'installer, 5 contre 3. Énormément d'espace sur la glace. Lucky avait repéré son coéquipier. La passe était vive, malheureusement. Le coéquipier n'a pas pu saisir et le lancer du défenseur s'est arrêté. Et on procède à des changements. 59 secondes au 5 contre 3. Les voiliers! Oh oui! Le lancer! On tente de prendre le retour, on n'y parvient pas. Oh ouais! Quel jeu! Isaiah qui passe à Loïc, qui est bien placé devant l'enclave, devant le filet, et c'est 3-0, les voiliers, alors qu'il reste 37 secondes au 5 contre 3. Et il va rester une minute. Hey,
si on compte un autre but. Le gars doit rester, puis l'autre a pogné punition après. Ouais. C'est bizarre, ça. Ça fait bizarre pareil. Puis, écoute, si on en compte un autre, trois buts pendant que t'es là, là c'est long à calvaire. Ouais, 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 en plus. Bah ouais, c'est ça. On remet à Théo alors qu'on s'installe. On tente de s'installer, prendre son aise. En zone des loups. Le lancer, c'est bloqué en défensive. On saute sur le retour. On s'amène. Ah, oh, c'est trop, c'est dévié. Field goal. En l'air. Ben, rien n'est perdu. Alors que la séquence se poursuit. 20 secondes à faire à l'avantage numérique. C'est remis loin. Le défenseur réussit à conserver. On remet à l'avant. On tente de s'installer. Les options de jeu sont minces alors que ça se présente devant le filet. Et c'est le but. Alors que Loïc récupère le retour, son deuxième du match. Et la pénalité de 4 minutes pour bâton élevé coûte 3 filets. On s'en rappellera. À faire en deuxième période. On se rappellera que les Voiliers ont gagné 10-1 contre les Olympiques vendredi dernier. On est parti pour avoir quand même une bonne performance offensive dans ce match, alors qu'on a déjà 4 buts au compteur. La passe avante! Malheureusement, Leland qui était accroché ne pouvait pas compléter la manœuvre. On travaille derrière le filet. C'est remis à l'arrière à Jacob qui oublie le disque! Il dira par la suite que c'est une feinte, mais personne n'y croira. Ouais, vas-y, Leland, vas-y, Leland. Oh! Ah, ouais, ouais, lâche pas, Ryder, come on. Oh, dommage. Ah, oui, vas-y, vas-y, Ryder. Jets on, jets on. Si, boy! Alors, qu'on voit beaucoup d'intensité du côté des Voiliers. On se prépare pour les séries éliminatoires. Give and go, bien exécuté! Oh! Hey, c'est le but! Alors, contre ce but ou donner de la tête, ben, le cinquième but. C'est Lucas encore, hein? C'est qui a manqué sur le bat? C'est-tu. C'est Eddie, hein? Une feinte. Ah ouais.
C'était baseball, baseball style. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, on a des attentes élevées. Ah ouais, ben écoute, c'est jogging à 6 heures du matin, après ça on saute dans l'océan, puis c'est let's go. 2 heures de roulant. Le cadran est éteint. Là, ça compte pas. Ça compte pas, le cadran est éteint. Sorry. Ah, il y a quelqu'un qui dormait sa Switch. Oh oui, oh! La remise! C'était bien pensé du numéro... la part du numéro 20, Louis Simon, qui avait repéré son coéquipier à l'embouchure du filet. Alors, on va tenter de... On y va avec une légère obstruction. Puis... légal dans les circonstances. Let's go, Ryder! Burn! Burn! Benjamin qui tente le lancer. Manque le 10. C'est repris par Leland qui remet dans profondément dans la zone. C'est remis devant le filet. Sato qui ne peut compléter. Jacob qui ne peut compléter non plus, frappe la barre transversale sur sa poussée. Alors les loups qui ont repris un peu de poil de la bête pour utiliser l'expression. Avec 3 minutes 50 à faire dans cette deuxième période du dernier match de la saison régulière. On s'amène à 3 contre 2. Alors qu'Alex tente de lancer, c'est bloqué. On remet l'avant! Isaiah qui ne veut s'emparer du disque. Non, c'était pas Isaiah, c'était... c'était Eddie, dis-je bien. Et Eddie qui s'envole, la passe à Lucas. Qui s'amène hors l'aile, déborde le défenseur. Rebond chemin. Ramène votre filet, quel jeu! Oh! Quelle séquence, mais c'est arrêté. La passe s'avance de Lucas. Alex qui ne peut enfiler le disque alors que le gardien fait l'arrêt. Spectaculaire.
Et on s'amène. On remet derrière en F3. Qui était, dont le rôle était joué par Isaiah, bien sûr, vous l'avez reconnu, numéro 18. Oui, Simon qui s'amène, prend un lancer, c'est trop haut. Isaiah poursuit la pression. Travaille fort le long de la bande, remet de l'autre côté. Là, il a pu récupérer. Mathias tente de rejeter, mais il n'y parvient pas. Bloque le chemin. Et on remet le disque. C'est dedans, là. We all saw it. C'est dedans. Il l'a sorti. Elle était dedans, là. Hein? La frustration qui s'empare du loup numéro 92. Bien joué par Benjamin qui remet derrière à Ryder qui remettait à Leland, qui remet à Ryder à nouveau, à Leland, à Jacob, à Leland, à Benjamin. Et le commentateur qui s'enfarge dans ses mots, dans ses noms, c'est remis à Sato. Travaille le long de la bande, attend d'avoir une opportunité, remet à Benjamin. Il repère Ryder qui s'avance, remet le ballon filet, c'est et c'est le but! La rondelle qui fait son chemin tranquillement et c'est 6-1. Avec leur victoire du vendredi, de vendredi dernier, 10-1 contre les Olympiques, ainsi que cette victoire qui se dirige vers quand même un pointage assez définitif. On envoie un message clair aux autres équipes que on est prêt pour les séries. Ne savent plus où donner de la tête. Ah ouais.
Bien fait par Eden qui bloque et empêche. Oh! Le jeu s'est bien récupéré par Alex. Et la deuxième période qui se termine. 6-1. Troisième période, dernier match de la saison régulière, 6-1 les voiliers, en direct de Masham Arena. Et la troisième est en cours. Et la rondelle qui bondit et Loïc remet profondément en zone des loups. Alors qu'on s'applique à mettre la pression du côté des voiliers. Ethan qui travaille avec l'ailier qui tentait de remettre vers l'avant. Les loups sont en contrôle du disque. Derrière le filet. Rebrouche chemin. Remet à son coéquipier qui perd le disque. C'est repris par Loïc. Qui aussitôt repère Louis Simon. Perd le disque. Poursuit la pression. Alors qu'on se regroupe. Et le juge, l'arbitre qui dévie le disque. I see some comments there on the online. Happy to see we have some spectators, qu'on a des spectateurs en ligne. On encourage Jacob de ce que j'ai vu. Et on encourage les voiliers. Troisième période en cours, 15-41 à faire. Sato à la poursuite du disque. Bye bye, Lilun travaille bien. Benjamin qui repousse le disque. Oh, it's Simon, I see. Hey Simon, good to see you online.
travaille fort. Ben qui repousse le disque. Luca s'empare du 10, travaille le long de la bande. Remet. Et on remet au défenseur qui malheureusement ne peut rejoindre. On devra reprendre en zone profondément dévoilée. Luca qui tentait de rejoindre Eddie n'y parvient pas. On repousse le disque. Oh. On travaille dans le sommet! Luca qui avait une opportunité. Prend un lancer rapide, ça passe légèrement au-dessus du filet. Ça aurait pu être 7-1. Luca remet à Nathan qui reprend. Remet immédiatement Luca qui s'amène à toute allure. Rebond au chemin. Et revient vers le filet. Revient, oh, quelle la pince! On avait tenté de rejoindre le joueur devant le filet, mais Alex, qui n'était pas en position de recevoir le disque, n'a pu compléter la manœuvre. C'est le but! Le lancer! Du numéro 10, Nathan Brassard. Le gardien avait la vue obstruée. Et c'est 7-1. Alors que les célébrations sont très courtes. Par respect pour l'adversaire. Happy to do it for the team and every one of, you know, the players, parents, coaches. Happy that it can allow some folks to watch live and then after the fact with the players, always fun. All right, back to the game. 13 minutes 30. Avec cette victoire, bien évidemment, les Voyers qui vont terminer solidement en première position du classement général. J'espère qu'il n'y a personne de blessé. Alors qu'on a un peu de bousculade devant le filet. Et tu vas voir bien! 12 minutes 40. Loïc qui tente de remettre, c'est bloqué. Oh oui, la passe a balayé. Et on perd le disque. C'est repoussé dans la zone des voiliers. Ils tentent de sortir le disque. On perd le disque, mais Isaiah Grabantis se remet à Louis Simon. Il traverse la ligne rouge, tente de remettre le disque plus loin. Perd le disque. Retrouve le contrôle du disque. Continue de batailler. Il le perd à nouveau. Léo qui repousse le disque. Bloque le passage du disque le long de la bande. Ryder reprend le disque. Remet à Sato qui remet immédiatement à Ryder. Tentait, c'est-à-dire, mais le jeu avorte. C'est remis devant le filet, mais il n'y a personne pour recevoir le disque. Numéro 44 des loups. Repère son coéquipier, mais qui perd immédiatement le 10. Sato reprend le 10 et à toute allure s'amène en territoire des loups. Remet de l'autre côté. Ryder reprend le 10, que c'est remis à Leland qui remet devant le filet. Sato tente de dévier immédiatement, il n'y parvient pas. Ryder tente de remettre devant le filet, il n'y parvient pas.
Le lancer des loups, le gardien avait la vue voilée et c'est 7 à 2. Alors que le cadran, suite au 7e but des voiliers, le cadran est en continu, c'est-à-dire running time. 9 minutes 40 à faire, c'est 7 à 2. D'accord, Maluka. Il tente de travailler le long de la bande par le disque. Alex vient près des mains fortes. Luka qui reprend le disque. Remet en zone profonde des loups. Pour lancer Dédé, mais le gardien qui fait l'arrêt. Oh oui! Benjamin qui remet derrière lui pour conserver le disque. Belle manœuvre du numéro 7. Jacob qui tente de remettre le disque. Il est empêché, mais il réussit quand même. Oh, le lancer! C'est arrêté par le gardien. Alors que l'audience en ligne est augmentée et est rendue à 9 personnes. Un sommet! Ouais, et Isaiah qui tente de se frayer un chemin. Ça mène le seul, le lancer! C'est arrêté par le gardien. Belle poussée d'Isaiah. Arrivé à toute vitesse. Sept minutes au cadran. Oh, le lancer! C'était Isaiah a pratiquement dévié le filet, mais le disque bien contré par Théo qui est accroché, qui perd l'équilibre, mais bon, bon jeu de sa part. Loïc qui connaît un fort match, remet le disque. Ryder qui contre le disque, s'amène derrière le filet. Protège le 10, travaille bien le long de la bande, remet. Et on remet devant le filet. Loïc qui tentait de remettre, c'est-à-dire c'est bloqué par le défenseur. Oh oui, bien joué par Théo. Oh oui! Belle esquive de Ryder, mais on perd le disque. Sato qui vient contrer le porteur du disque. Reprend le disque à nouveau. Ça amène à vive allure. La lancée s'est bloquée par le défenseur.
Alors que 5 minutes sont à faire au cadran. Je vous rappelle du temps qui court ou une mauvaise traduction de running time. Cette mauvaise blague est bien sûr pour les téléspectateurs les plus astucieux. Benjamin Galdisk, ça lance et le retour. C'est son tour du chapeau. Un tour du chapeau pour le numéro 17. Diable Luke! Alors que les célébrations sur la glace, bien évidemment, sont très respectueuses compte tenu du pointage, mais il n'en reste pas moins que c'est un troisième but pour Lucas qui complétait son tour du chapeau. Lui aussi connaît un fort match et continue. Il s'amène sur le flanc gauche. Alex reprend le disque, rebrouche chemin, laisse pour Lucas, qui remet, qui tentait de remettre, c'est-à-dire à Jacob, qui tentait de bloquer le disque, mais le 87 qui s'enfile, qui s'amène devant. Le gardien perd le disque. Et Alex pourchasse le disque. Et Lucas qui reprend le disque à nouveau, s'amène, laisse pour Eddie, qui était à bout de bras. 3 minutes 12 à faire dans cette dernière période. Donc 3 minutes à faire à la saison régulière pour les Voiliens. Ils vont conclure donc au premier rang du classement général. Fort d'une fiche de je ne sais pas de victoire, je ne sais pas combien de défaites et je ne sais pas combien de nuls. Pour un total de points dont j'ignore le total. Et Louis Simon qui s'amène! Un but pour Louis Simon. Un 9e but. Lors des deux derniers matchs, donc 19 buts pour les Voiliers. Une moyenne de 9,5 buts par match, ce qui est excellent. Une 45 à faire à la période, alors qu'on s'amène en 2 contre 1 à Isaiah Saben. Flanqué de la roque, il prend un lancer, c'est dévié de l'épaule du gardien. L'option de passe n'était pas disponible pour Isaiah qui a choisi de prendre le lancer, mais c'est arrêté par le gardien. Nathan qui remet le disque, 1 minute 15. C'est repris par Eden qui remet à Nathan. On dégage le disque, ça se rend jusqu'au gardien. Et on apporte les derniers changements de la saison 2023-2024. En saison régulière, bien sûr, puisqu'on se dirige vers les séries éliminatoires. Secondes à faire. Hein? Ah oui? Ah oui, garde donc. Ah, OK, il avait juste changé de place, moi, probablement.
OK. 7 secondes à faire. Dernière poussée, c'est remis. Derrière, et ça va se terminer 9 à 2. La saison qui se termine. Les voiliers qui l'emportent. On fait preuve de retenue pour les célébrations. Mais ils ont joué, les voiliers qui ont joué un excellent match. Et on se revoira pour les séries éliminatoires. Alors, bonsoir et à la prochaine.